Ma perfetto, questo qui c'è tutto, tutto. Tu es content du travail réalisé? C'è tutto, ma è formidabile. Comment as-tu connu Enzo Ferrari et raconte-moi ton engagement à Modena. Pour aller à Livorno, oui. J'ai fait la roue de Abetone, Maranello, oui. Abetone. Et c'est là qu'avec la petite Fiat Topolino, j'ai rencontré Ferrari. Mais où tu l'as rencontré? Così, come sa. Sulla sulla rue. Je un appassionné come moi, quand j'arrive su la rue avant Maranello, oui. Ferrari, oui. Moi je suis arrêté, no? D'accord. Pour garder pourtant. E sulle sul cancello. Oui. Ferrari. Il y a Enzo Ferrari dans la rue. Eh? Guarda. Guarda Topolino. Ma Topolino. Il a regardé ta voiture. Regardé. E m'a demandé où va où tu vas? Où tu vas? Je vais à Quercianella, Livorno. Perché c'è tutta la bettuta. Era tutto salito, no? Tutta la montagna. Tutta la montagna. E la riendi. La padre riendi. Apri, avec un ami che lavora a Firenze, avec le frère del chef ingegnere de Ferrari, oui. E j'ai la possibilità di rencontrer encore une fois Monsieur Ferrari. D'accord. Qui me fa visiter toute la fabrique. Oui. Et après, il m'a rien dit. Salutation. Et Ferrari me fa à moi. Oui. Vous rappelez quand vous êtes passé d'ici et vous êtes allé à Betone, Quercianella, Livorno? Avec ta petite voiture. Moi, j'ai dit, peut-être n'est pas trop intelligent, mais il devra être très, très courageux. Très courageux pour aller avec la Topolino, aller à Livorno et traverser les montagnes. C'est pour ça qu'il m'a pris à Ferrari. C'est pour ça qu'il t'a engagé. Et m'a engagé à Ferrari avec test driver, non? Ah, le pilote d'essai. Un pilote d'essai. Il m'a dit, vous êtes le chef des châssis, suspension. D'accord. Des essais sur la roue de toutes les Ferrari. Pour les prototypes. Prototypes. Je suis le chef d'essai. D'accord. Et je suis le constructeur des prototypes. Et alors, comment ça s'est passé? Alors, tu as travaillé sur quoi? Oh, molto bene, formidabile. Ah, perché lì, testa rossa. Poi, cosa, il testa rossa, no? Il 3000 testa rossa. Oui, la 2000, la 2000 la testa rossa, oui. E poi, la papera, GTO. Ah, le prototype 250 GTO. La j'ai costruito e j'ai pris un Ferrari che... Ferrari m'a donné à moi. Oui. M'a donné un Ferrari. D'accord. Quel modèle? 250? Non, avant. Vecchio. Et ora non mi viene in mente. Un vieux modello Ferrari. D'accord. Et il m'a dit, Bizzarini, vous... ovunque voi allez avec la famiglia a caccia, a pesca, ovunque voi dovete usare solamente la Ferrari. Ah, ça c'était la voiture de tous les jours, la Ferrari. Pour moi.
Pourquoi? Parce que la famille, dovunque io andavo, oui. Io andavo con la Ferrari. Tu dois seulement rouler en Ferrari. Lì, come si dice? Ferrari la pensé bien alle pubblicità, no? Alle pubblicità. Io ovunque. Donc, io dovunque. Ma vettura, la mia vettura personale è Ferrari. D'accord, mais raconte-nous le prototype de la 250 GTO. J'ai détruit ma voiture Ferrari, oui. Et j'ai construit la GTO, la première. En combien de temps? 3-4 mois. 3-4 mois. C'est fou formidable. À Monza, oui. J'ai fait le tour de la piste et gagné 6 secondes. 6 secondes. Avec la GTO. Oh, tout est... Oh, impossible. Et j'ai fait les mêmes temps de les voitures sport. D'accord. Incroyable. Et qu'a dit Ferrari? Et Ferrari, il dit à un journaliste, il dit à les journalistes, vous avez jamais vu un GT qui roule avant les formules. Parce que si girava insieme alle formule, no? Ah, tu roulais avec les formules. Perché era c'era il Gran Premio d'Italia. D'accord. Et la papera, la GTO, la prototipo. Il prototipo, oui. Le formule erano 1500 di cilindrata. 1500. E quindi io stavo davanti. Et toi, tu étais plus rapide que les formules. Avec la papera. Tu dis que tu étais un mercenaire. Perché mi... Ah, perché j'ai compris che Gesù è importante per i chef. Oui, pour les responsables. Per i responsabili. Gesù è molto importante seulement pendant una emergenza. Una crisi. Una è bravo. Per cui chacun ha delle crisi, oui. A Bizzarini è ok, formidabile. Dopo, après. Tu veux dire che quando Ferrari t'ha engagé, il était en crisi? Sì. Oh, terribile. C'è le premier. Mais une crise financière ou... Non, crise de production, tout. De vendre les voitures, les châssis, les suspensions. C'est tout à fait complètement à refaire, totalement. Totalement à refaire. Totalement à refaire. D'accord. Et maintenant... Même les rivolta, tout. Lamborghini, tout, non. Bizzarini è un carattere pa facile, eh? Così.